faire émission matin débat, j'ai eu une chance pour nous rencontrer quelques amis. Et un ami qui dit moi, il dit nous comme bon menti. Le métier de journaliste, il y a un monde qui vient pour faire métier ça, faut qu'on gagne en pile dimension. Il dit pour qu'ils ont dit ça. Il dit parce que monde qui c'est journaliste là dans microphone monde ça le obligé de tenir compte de mon capitaine de lieu. Il y a un capitaine de un journaliste dans la radio, surtout il y a un analyste politique. Il n'y a pas besoin d'entendre la douleur, la peine de Mounza. Il n'y a pas là pour entendre la plainte de Mounza. Dis, monsieur, pourquoi ça dit ça? Monsieur, dis-moi, je prends un exemple sur où? Je dis, regardez, Loko, dans ce moment-là, si vous avez un monde qui a un problème dans la ville, lirez le Loko désiré. Je dis, monsieur, ça quoi dit ça? Monsieur, dis, Loko, vous faites perdre du petit garçon, quand déjà vous êtes là, vous prenez courage à deux bras, vous venez dans le microphone matin débat. Et le Kodesi a pas changé. Ça t'a vraiment touché. Parce que effectivement, madame, monsieur, là que nous avons dit dans l'émission en débat, ce n'est pas chaque jour nous en forme. Ce n'est pas chaque jour que moi, nous, donc, les hobos fixes. Il y a des jours bah, là, difficiles. Les difficiles, et ceci, pour plusieurs raisons. Il y a des fois, pour qu'on a quitté la caillou, même gaz ou pas dans la machine. Et ça, il a quitté les mêmes gaz qui sont dans la motocyclette là. Puis maintenant, dans tout, on a quitté la caille, les mêmes gaz qui sont dans la machine. Sans compter, donc, l'autre obligation qui a rapport avec la famille. Des fois, on n'est pas capable de répondre à certaines obligations, les on fait face avec eux dans un moment. On peut peut-être résoudre demain ou bien après demain, mais dans un moment, il y a des obligations familiales, on ne doit pas répondre avec eux. Donc, il y a des gens qui parlent dans la radio, il y a des journalistes, il y a des analystes politiques, il y a des gens qui ont le même problème que la population elle-même. C'est-à-dire que c'est la même pression que nous avons subi. Mais arrivé au microphone, nous ne sommes pas capables de dire à dégager la frustration. Non. Nous ne sommes pas capables de montrer que nous ne sommes pas en forme. Parce que les gens qui ont de nous, ils n'ont pas besoin de ça de où. Ce n'est pas ça la tente de Loko Désir, ils n'ont pas tant de problèmes de Loko Désir. Ils n'ont pas tant de problèmes bien entendu dans tout. Il n'y a pas de problème, Isaïe César. Il n'y a pas de problème, Gadette Gladimir. Il n'y a pas ça le besoin. Il y a besoin qu'on ait ça qui a passé dans le pays. Parce que nous-mêmes, nous là pour ça. Il y a besoin qu'on ait. Donc, comment nous analyser, comment nous prendre analyser tel dossier qui a rapport donc, à gestion pays, qui a rapport à gouvernance pays. Effectivement, je veux dire, madame, monsieur, donc, écoutez, la vie continue. C'est vrai que c'est difficile pour le moment avec ma famille. C'est très difficile. Baba nous aussi, c'est difficile. Là quand même c'est chaque jour OK famille m'a crié parce que jusqu'à présent donc douleur ça li poko passé et douleur ça pas jamais passé son douleur qui éternelle mais écoutez donc la famille doit continuer à vivre donc pour continuer à célébrer la vie il faut rester en vie donc merci à tout le monde qui supporte famille hein. Merci à tout le monde qui supporte le Loko Désir et baba nous dit bon mettons ça nous pas jamais faire bac. Et on a toujours été là pour nous faire travailler par nous. On ne peut pas faire n'importe quel jugement qu'on veut. Ça c'est vous-même. Parce que pas oublier que dans la vie, c'est pas tout pour nous dire mon. On ne peut pas venir comme si tout pour nous dire mon. Ok? M'étonner pour moi, malgré la mort de mon fils, et puis moi, il y a des gens qui jouaient sur ça, qui parlaient mal, dont la mort. C'est comme si nous disions, yo même là, yo éternel. Je ne peux pas connaître que petit peu pas mourir. Je ne peux pas connaître que nous avons un problème ça, un problème pareil. Ok, il y a trois bagailles dans la vie pour nous connaître, qui est très important. L'humanité acceptée, moi je dis oui, l'humanité acceptée que yon mari qui a perdu yon madame. Laisse ça, Maria Livinon, veuf. Ok, l'humanité acceptée que yon madame qui a perdu yon mari. Laisse ça, madame Livinon, veuf. Ok, l'humanité acceptée que yon petit qui a perdu papal, les salivine orphelin de père. L'humanité accepte que yon petit qui a perdu maman, les salivine timoun salivine orphelin de mère. Mais l'humanité n'est pas jamais d'accord et accepte que yon maman ou papa qui a enterré petit. Jamais. Je ne sais pas si d'accord avec moi. Ok?
L'humanité n'est pas j'aime d'accord sur ça. L'humanité n'est pas j'aime d'accord sur ça que on maman, on papa a enterré en petite. Par contre, l'humanité d'accord que yon mari qui a enterré yon madame qui a enterré un mari, yon petite qui a perdu papa, yon petite qui a perdu maman, mais l'humanité n'est pas j'aime d'accord sur ça que yon maman a enterré petite li, que yon papa a enterré petite li. Donc merci tout le monde et moi-même nous plaisir et moi dis mon Dieu merci parce que expérience que m'a vive aujourd'hui c'est une autre expérience. OK, mais ça m'a pas en vie pas moi-même louko. C'est là que ou tomber faut assurer au mari ceinture prend courage de bras pour capable relever. Et m'ai plusieurs expériences qui marquent me concernant vie. Les bandits dans sa vie tirer sur moi. OK, des gros traumatismes enragés. Me dit faut me continuer camper rester dans faut me continuer vivre. Moi dis bon Dieu merci. Moi pas mourir, mon qui t'avait mieux tout. Pas gagné qui t'est arrivé, me dit bon Dieu merci pour ça. Moi continuer vivre. L'autre expérience encore qui arrive dans la vie qui fait que toujours gain courage. Mal dans l'élection pendant 3 fois. Élection en Haïti madame monsieur, c'est bon mal facile. Mal dans l'élection pendant 3 fois, me perd du cob. M'tombe économiquement. M'en dans misère, m'en dans situation difficile après chaque élection. Eh bien, après chaque élection que ça me fait, m'en marie Saint-Jim, m'en recommence le travail. Et dernière élection, c'était les élections de 2015, quand j'étais candidat à la présidence. Qui ça nous fait? M'en pas courir. M'en campé dans le pays, m'en bataille, m'en retourne dans la radio, m'en retourne fait ça m'habitue. Eh bien, si je viens tout, après la mort de mon fils, je retourne dans la radio. C'est ça que je fais. Je m'arrête, c'est tu. Là, je suis là, c'est son autre ambiance. Parce que je suis obligé de retourner donc, dans la réalité. Mais, madame, monsieur, venez ici, dans l'émission Matin Débat, dans Radio Éclair, son gros sacrifice. C'est parce que, justement, nous croyons que le pays ça et compter sur nous. Nous croyons que le pays a tout, les besoins. Donc, que nous-mêmes, nous sacrifions, on partit dans nous-mêmes pour nous permettre que. Tout le monde comprenne que nécessité pour mettre ensemble pour capable changer le pays. Bon, et mon gafou, il faut vraiment nous solidaires, yon ak lot, effectivement, donc le centre d'accueil et Kafouan qui gagne la donne plusieurs timoun. Eh bien, je dis à la, l'État pas prend soin timounio, et bien timounio, vraiment, donc dans des situations très difficiles, et yon pas qu'à manger, pas gagne de l'eau, pas gagne cabane, donc ou même qui c'est mon gafou. Et également, qui c'est l'autre monde, l'autre côté. Depuis ça, ils sont yé. Donc, moi, c'est que l'offre font bien. Et je dis, hein, ou pas, j'en perdu bien ça. Donc, si nous capables de collaborer, si nous capables de porter mes fortes. Donc, porter mes fortes. Donc, contacter Esaü César, que nous connaissons déjà, qui c'est Negafou, et qui prend une belle initiative pour solliciter. Donc, et aide, coup de main, donc, de monde qui est capable. Donc, pour capable et permettre que Timounio gagne une plus bonne condition. OK, de vie dans le centre d'accueil Carrefour. On allait rapidement et nous parler donc dans politique là, on salue MMS et MMS donc également donc madame et pasteur et monsieur Brézo, donc toute l'équipe donc à et Fort Lauderdale, toute l'équipe qui à Brooklyn, Debussy en forme et nos amis qui sont donc à Montréal, à Philadelphie, à Queens, à New Jersey avec qui pas jamais pas branché donc émission Matin Débat. On allait rapidement, bien causé pour nous matin, chargé causé. Eh bien, on allait rapidement, Esaü César, Galette Gladimir, pas oublier que je dis à ce jour vendredi. Eh bien, jour vendredi, c'est jour diaspora, ou même cap vivre dans diaspora, ou connaît que chaque vendredi, ou gain possibilité pour capable placer mot pao, donc à l'émission Matin Débat. Je dis, c'est Galette Gladimir cap assuré au l'air. Si lui-même qui a pris ce appel, eh bien, c'est avec Galette Gladimir qui a parlé. Nous-mêmes, nous là, justement, donc, pour nous suivre l'intervention. Et pour probablement, si il y a des gens qui suivent parler avec nous, on a toujours capable de parler avec eux. Donc, ce problème, mais c'est Gladimir Galette qui a parlé, assuré, donc, de réception, donc, tout appel aujourd'hui, hein, donc, pour ce vendredi 19 juillet 2024. Haïti, politique, dossier BNC. Le Premier ministre Guy Conny, Claude Joseph et certains membres du CPT. À couteau tiré, à qui profite cette mésentente? Ma connais si, sous information, ils a eu, ça passé hier soir. Bon. Galette Gladimir.
Je connais ça qui passe hier soir. Claude Joseph, dans la République. Claude Joseph qui entre bien fond, dans le fin fond du firmament. Eh bien, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Ça va là. C'est pas la verbe. Oubliez que nous-mêmes ici, nous relais matin débat. Et matin débat, c'est l'information. Ok? Et nous souhaitons que nous prenions le temps et le soin pour nous comprendre. Ça nous va le dire matin. Hein? Dans quatre dossiers, ça. Dans ce qui a passé pratiquement dans le pays, madame, monsieur. Hier soir, il était aux environs de 9h, presque 8h, 9h, presque 10h du soir. Et le conseiller présidentiel, l'ancien sénateur Louis-Gérald Gilles, te gon réunion la Kaili appel 25. Et dans la réunion, ça a été gagné. L'ancien sénateur Moïse Jean-Charles. Aïe, aïe, aïe. Le premier ministre. Pakapala. Le premier ministre. Pakapala. Le premier ministre Gary Conny. L'ancien premier ministre Claude Joseph. Parmi l'autre monde qui était là. Yo. Il y a soit une altercation. Et il manque de gagner un gourmet. Moi-même, je dis ça déjà. Gary Conny, écoutez, madame, monsieur. Moi-même, m'a parlé ce matin hein, aux membres du conseil présidentiel. Nous-mêmes, qui sommes conseillers présidentiels, aujourd'hui, hein, faut nous parler trois fois avec Gary Conny. Parce que nous connaissons que grand monde qui ne connaît pas qui est ce qui est Gary Conny. Et si on tape sur vous depuis l'année, je t'ai connu Gary Conny. Ok? Je ne connais pas, je ne connais pas, monsieur. Gary Conny, c'est petit Yomakout qui t'a travaillé pour Duvalier, qui t'a travaillé à Duvalier. Mais qui ne connaît pas le monde? Vous me dites ça? Dans le régime, nous ne connaissons pas le monde. Gary Conny, mon frère. Gary Conny, ce n'est pas nèg, je le dis. Ok? Qui peut quitter n'importe qui monde, rien ça veut. Li ka kite kèk bagay passé nan intérêt pays. Li ka fè yon concession. OK? Nan intérêt pays. Gary Conny pa pè personne moun d'ailleurs. S'il fait tout le temps ça dans l'ONU. Son moun ki travaille avec blanc et blanc respecte Gary Conny. Parce que lui-même li respecte tête par lui-même personnellement comme premier ministre. Qui s'est passé hier soir? Bon dossier là dans le pays. Moi, c'est le très important pour nous connaître. C'est le dossier de BNC. Également le dossier de l'ONA. Ça, dossier BNC. Eh bien, ce dossier BNC, ça, je dis, qui mettait une certaine division au sein du conseil présidentiel de transition et division entre certains membres du CPT avec le premier ministre Gary Conny. Et ça fait que matin, on m'a dit que à qui profite cette mésentente, bon mésentente, sous dossier BNC. Qui s'est passé? Et m'a dit, monsieur, dame, c'est pété. Pas que aucun de nous-mêmes, là, qui prend l'argent dans le secteur privé, et que le pays n'a pas connu. Parce que monsieur, le secteur privé, il n'y a pas fait sentiment avec personne. Il n'y a pas là-dedans. Il n'y a pas Yo là pour l'argent, yo là pour intérêt. Donc si on fait business avant, si on fait politique avant, politique là basé sur l'argent, accepter prendre l'argent dans main yo, faut qu'on délivre. Dossier bien ça qui s'allie. Vous écoutez matin débat. Go hôtel dans Pétionville. M'a pas cité nos hôtels là matin hein, parce que m'a pas que le nécessaire. Go hôtel dans Pétionville. Qui gagne la donne plusieurs actionnaires du secteur privé. Hôtel Zaboul de fait, son prêt qui était fait dans BNC. Et même hôtel ça tout, gon parti dans l'argent pour te faire hôtel là. Yo t'a prêté comme là dans l'ONA, n'a parlé de 1 million de dollars. Maintenant, moun qui s'actionnaire dans hôtel ça, c'est des moun qui dans secteur privé là. Et yo très influent. Comment mieux ça m'a dit le matin, oui? Pour nous comprendre la réalité du pays, je dis à madame, monsieur. Ok? Donc, toute bataille qui est dans le pouvoir dans le pays d'Haïti,
son bataille d'influence, son bataille d'intérêt. Maintenant, actionnaires font prendre ou non pour hôtel ça, $1 million. Et puis, ils jouent sur influence politique. Le fait que on a vu un actionnaire dans l'hôtel là. Donc, au lieu que vous allez mettre l'argent avec intérêt à l'ONA, ok, il joue sur influence politique. Il fait que on a qu'on y a vu un actionnaire dans l'hôtel là. Et bien, c'est même bagarre là. Monsieur, vous faites avec UBNC. Ils ont prêté plusieurs millions de dollars dans même UBNC. Ok? Et puis, depuis là, ils ont fait prêter Cobla. Pour hôtel là dans même BNC. Yo goumé, y a goumé et César Galadimio, y a goumé pour BNC qu'on y a converti prêt en action dans hôtel là. Yes. Et c'est ça qu'il faut ouais que dernier conseil BNC, dernier conseil d'administration BNC a. Yo révoque tout net. Parce que justement dernier conseil ça pas d'accord marché dans logique là. Yo joué sur influence politique. Yo, yo révoqué conseil guidé là. Parce que conseil guidé là pas d'accord marché dans logique ou BNC vin actionner dans hôtel ça donc dans Pétionville. Et ben c'est ça qui a passé là. Qui ça gueule là? Dans moment là pendant on a parlé là. Gien actionner qui dans hôtel là. Gien des nèg qui dans secteur privé qui s'actionner dans hôtel là qui finance des membres du conseil présidentiel de transition. Ah ouais. Il y a un corps de qu'on a mis pression sur certains membres du conseil présidentiel pour mettre pression sur Gaïkoni pour changer parce que il voulait mettre conseil par eux pour arriver à atteindre objectif pour prêt que vous gagnez dans BNCA pour prêt ça les convertir en action dans l'hôtel là, mais toute bataille là. Malheureusement, vous jouez Claude Joseph dans la bataille ça. Ça passe hier soir. Hier soir, on a une réunion, la caille, ancien sénateur Gérard Jules et conseiller présidentiel. Gaï Koni comme premier ministre, il était présent. Claude Joseph était présent. Moi, Jean-Charles était là. Et puis, Zimpété sur question ça. Et Gaï Koni, il comprend une jointe là. Gaï Koni dit, pas de bagaille comme ça. Puis, yes! Hey! Comme ça même? Claude Joseph, attendez, Gaï Koni dit pas là comme ça, puis yes. Si vous avez qui vous faites la fête selon les normes, oui. Si vous changement qui fait la fête selon les normes, et si changement a gagné, faut qu'on raison claire. Ok? Pour changement ça capable de faire. Parce que jusqu'à présent, selon Gaï Koni, il n'y a aucun problème avec le conseil actuel. Aïe. La Banque nationale de crédit, madame, monsieur, il n'y a aucun problème. Oui. Donc pourquoi changer ce conseil, pourquoi cette velléité pour changer ce conseil de la Banque Nationale de Crédit? Claude Joseph campé en face Gaï Koni. Claude Joseph menacé Gaï Koni. Menacé même oui, Louko. Attends, qui est Baou? Le mec à Baou. Claude Joseph menacé Gaï Koni. Claude Joseph dit Gaï Koni, il va le goumer pour le jeter. A qui force? Li jeté président, li jeté premier ministre déjà. Président, oui. Ah, président, oui. Ah, ben, Jean-Baptiste Aristide. Ah, et Claude qui était jeté Aristide. Ah, ben, c'est GNB. Comment, oui, mais qui ça? Et même, je te dis, Jean-Baptiste Aristide, tout. Et pas ça, mon cher. Attendez, mon frère. Li dit Gaï Koni. Et nous connaissons qui a parlé matin. Li dit Gaï Koni. Je vais me jeter comme premier ministre. Parce que moi, je vais me jeter président déjà. Moi, je vais me jeter premier ministre déjà. Et Claude Joseph qui était. Et Claude Joseph qui était. De Jean-Baptiste Aristide 184. Et puis Ariel Henry, que lui-même il considère que je jeter. Lou, connaissez-y, faut-il qu'on mette tout ici. Comme si et Claude Joseph qui était Ariel Henry, ou bien Gang lui jeter Ariel Henry. Non, oh, attendez. Claude Joseph, non, t'es pas, c'est lui-même qui jeter Ariel Henry. Vers quel est? Dans tête Claude Joseph, c'est lui-même qui jetait Ariel Henry, c'est lui-même qui jetait Jean-Baptiste Aristide, et le répétait hier soir dans la figure de Gaï Koni. Et Jean-Yves César,
Gary Conny rentre dans Colanguet dans Claude Joseph. Sorti dans nous connais dit. Oh! C'était Goulombe! Ça dit là! Allez, le corps dit encore! Pas mal d'ouvrir, mon frère! Là, Claude Joseph dit Gaï Koni ça! Gaï Koni entre dans la guette, maman! Claude Joseph! Excusez-moi! Ouélele! Oui! Bagaille en pile! Gaï Koni entre tout ton gain, maman! Claude Joseph! Monsieur! Dans le film, maman! Monsieur, sur question Benzia! Moi, je chale de là! Moi, je chale pas dit why! Monsieur, on se chale pas du way. Maintenant, allez, madame, monsieur. Bon, si c'est comme ça, si c'est comme ça, on a fait. On allait avec analyse, parce que matin débat sur émission d'analyse, de commentaires, mais de oui. Débat, nous d'accord. À l'aise, à 1000%. Okay. Je dis à nous clair, et me dit pendant ce moment-là, bandit, je dis à l'Ika peut-être trop tard pour yo. Pour y a revendiqué, pour y a sous table négociation, pour y a revendiqué dialogue, il y a trop tard pour yo. Parce que l'heure est faite là, ok, l'heure a passé. Parce que ou pas qu'à dire aujourd'hui que bandit ou coup armé ou pas contribuer dans jeter Ariel Henry. D'ailleurs, c'est deux secteurs qui empêchent Ariel Henry rentrer en Haïti. Vive ensemble, c'est Guichou. L'international et les bandits. Parce que c'est bandits, attendez, parce que c'est bandits qui étaient campés, qui fermaient les portes là, qui empêchaient les portes là fonctionner, avion pas qu'à voler, ok? Et puis Ariel Henry pas qu'à atterrir en Haïti. Jusqu'à ce que compagnie aérienne, à travers la compagnie qui a dirigé, qui a fait qui a même mieux qui régit en bas et ça que compagnie ça gagne comme principe, ok? Avion vient pas qu'à voler. Ariel Henry pas qu'à entrer en Haïti. Même pas voulu accepter Ariel Henry parce que bandit yo, yo te clair sur question ça, question importe là, li pas marché, il a fermé importe là. Ça c'est un. Deuxième, l'autre monde, l'autre secteur qui empêche que Ariel Henry entre en Haïti, c'est l'international. Parce que si Blanter voulait Ariel Henry venir, c'est que t'as passé. On finit par parler, ou quoi? Le hélicoptère blindé. Il t'a pris le hélicoptère blindé, Esaïe César. Non, bagaille yo. Et Ariel Henry par la presse. Causez-moi des chaises. Quand Claude Joseph t'a gagné force, mon cher. Eh bien, Guy Philippe t'a dit qu'il était Ariel Henry tout. Maurice Jean-Charles qui était dans la rue, hein, vient retourner, hein, t'as qu'à dire c'est lui qui était à Ariel Henry. Monsieur, bon, bon, côté m'de qu'à comprendre, Guy Philippe là, parce que pas oublier, monsieur, c'est mouvement révolution, Guy Philippe tape Cléon, hein, puis Navel là, et puis nègre, il s'en met tout levé, campé, et puis boum, voilà, Guy Philippe qui était nègre, il n'y a pas un mouvement, non, Claude, mais c'est. Non, Claude, non, Claude, ah ouais, t'es tout nous, ça, Claude, et bien, où j'étais à Ariel Henry? Claude Joseph, ou pas occupé, ou impliqué dans le gouméo contre Ariel Henry, arabe là, impliqué dans le gouméo, mais arabe dans la prison là, qui vient de marcher tout fait? Journaliste, ok, Claude Joseph, qui vient de marcher tout fait pour la guerre arabe? Bon hypocrite. Esaïe César, Louko Désir, hier soir, si c'est pas Maurice Jean-Charles, regardez, côté réunion, ça t'a fait là, d'ab tout non véritable oui, mais c'est coupe moi fight. Qui porte yé? Eh ben, bah souché. Bon, moi Jean-Charles qui vient de titre l'honneur de Venegue, oui. Sorti m'là. C'est pas moi Jean-Charles, regarde, matin, par contre, qu'est-ce qui t'a bien figu ben? Qu'est-ce qui t'a bien de rachot? Moïse Jean-Charles qui Venegue au calme. Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles, frère. Matin, t'as préféré qu'on le bosse. On va aller, maintenant, si Claude Joseph a préclamé que c'est lui-même qui dévoue Jean-Baptiste Aristide d'aller, nous comptons bien que pour Jean-Baptiste Aristide d'aller, ça qui est dans le pays comme massacre. Correct. Ça qui est dans le pays comme massacre. Elle dit que lui cautionner tout ça que le pays a été subi okay, comme dommage dans la bataille pour voir Jean-Baptiste Aristide d'aller. Nous d'accord. Correct. Oula. Maintenant, s'il dit. Alors, les revendiquer, le coup de dire. Si les revendiquer, c'est lui-même qui voit Ariel Henry. Ça veut dire que, par contre, qu'un gens pour Claude Joseph, pas grand rapport à Bandio. Aïe. Quoi parler? Parce que Bandio, écoutez, parce que Bandio, c'est pour vous dire que dans le pays, il dit que il a mis Ariel Henry dehors dans le pays. Et il a bloqué un porte là. Donc, Claude Joseph cautionne ça. S'il revendique ça, ça veut dire que il cautionne ça. Elle dit que il pas foutu dit que il pas grand rapport à bandit.
ça veut dire que l'an comme Bretagne yo ça veut dire travail nèg yo t'a fait bloquer les portes bloquer c'est pour Claude Joseph pour Claude, c'est pour Claude Joseph oh non c'est clair donc sous ça madame monsieur si analyser et l'aime dit pas bon ici a une série de politiciens qui n'a pas comme Bretagne grand pile monde qui raïm grand pile monde qui pas veut entendre parole ça mais son vérité. Mais et puis pas oublier tout, pas oublier tout. Écoutez mon frère, Esaïe, vous avez oublié. C'est même Claude Joseph ça qui a revendiqué aujourd'hui que c'est lui-même qui voit Ariel Henry aller. Mais c'est même Claude Joseph ça ne songe qui t'a dit Ariel Henry bel garçon, gardez le bien grimpé. Ariel Henry senti bon nous songe. Oui, nous songe pas ça. Pourquoi quoi t'es comment d'ailleurs, comment d'ailleurs que t'es fait l'abdé parler comme ça. On dit c'est mon oui. Non, qu'est-ce que ça nous a dit débat? Rien ça. C'est mon petit c'est pas c'est même Claude Joseph ça, oui, nous sommes oui. Il a dit Ariel Henry, bel garçon, on est bien grimpé, on garde tes figuilles, tes figuilles frères. Tu les fais beau jeune, tu les fais mon chel ben. Ariel Henry original, nous qu'elle a oublié. Songez posé ça, mais c'est où? Regardez comment on a dit, c'est pas un scrupule, monsieur. Donc, tu as dit que je dis à madame, monsieur, politique là. Puis prise en otage par des groupes du secteur privé, que nous connaissons déjà, que nous avons toujours parlé de ça ici en émission matin débat. Et son travail, je dis, ce n'est pas qu'on y a que le secteur privé a fait trafic d'influence dans le pouvoir. Et ce n'est pas seulement BNC qui est bataille sous l'ino pour le secteur privé des affaires, non? Ok? Il y a bataille sous ONA avec plusieurs autres directions générales encore, oui? On a parlé de AR, on a parlé de OFNAC, on a parlé de paquet de l'ordre direction générale, OAVCT, on a parlé de DGI. Mais c'est nous qui avons dossier DGI. DGI, c'est ça qui relève le domaine de l'État. Esaïe ou même qui va le magistrat Kafou. Tu as dit là? Comment ça? DGI, c'est ça qui relève le domaine de l'État. Oui, oui. Ou même qui va le magistrat Kafou. Oh! Quand on vient de faire ça? Comment ça? On va comme ça? On va comme ça, non? Tout caille de haut, tout caille qui perdu, tout terrain qui gagne sur le territoire national. C'est déjà qui a dirigé tout, oui? Qui a géré tout, oui? Oui, oui. Moi-même, correct. Moi-même, nous connaissons, je fais tout le pays, attendez. Je fais tout le pays. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Un grand nègre dans le port de oh, ça casse là. Au terrain, ça. Je parle au terrain. Je parle de 50 carreaux de terre. 100 carreaux de terre. Correct, correct. Ok? Pour qu'il y ait un nègre pour un bourgeois dans la petite ville. Pour un nègre dans le port de Prince. Oui. Oh, qui est un nègre ça a gagné pour la gagner 50 carreaux, 100 carreaux en côté. Mais il y a quoi dans le pays? C'est parce que justement. Attendez mon frère, c'est parce que justement, yo goumé, yo prend pouvoir, et puis yo mette un directeur général de DGI, qu'on a directeur général de DGI a découpé terre ba yo tout côté. Donc, mais ça qui est là dans le pays, madame, monsieur, mais qui bataille qui est là aujourd'hui dans le pays? Ça fait même dit nous, moi-même, m'a fait partie pas maintenant. Je ne sais pas que mon gars reproche rien, moi-même, le coup de dire. Parce que moi, essayer. Ok? M'goumé, m'bataille, m'campé. Mais si nous-mêmes, dans la classe moyenne, nous tentons nous, gampi problème que le pays n'a pas bien aujourd'hui là. Si nous-mêmes, dans la classe moyenne, malheureusement, nous-mêmes, dans la classe moyenne, là, nous, on tient les gars monter. Au lieu que nous campons avec elle, c'est goumé, nous goumé pour nous aller descendre. Malheureusement, nous-mêmes, dans la classe moyenne, là, nous, on tient les gars monter. C'est dénigrer que nous cherchons à dénigrer. Même papa nous maintient, monsieur. Il y a des gars qui sont dans le secteur privé qui ne peuvent pas nous passer. Claire. Qui Jotia. Et Jotia, qui c'est poison pays d'Haïti. Où est-ce que vous parlez? Quoi là? Qui c'est poison pays d'Haïti. Et pays, ça ne font pas. Pays, ça ne font pas. Ok? Tout en tant que nous ne pas résoudre le problème. Ça. Et ça, ça fait, ouais, Duvalier. L'ancien président François Duvalier. Mais Duvalier. Et pas celui à vie. Duvalier, bon papa, c'est où même nous aimons. Nous aimons Duvalier.
bon, 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 bon. Changez date, moi, 29 juillet. Oui. Bon, bon, bon. Pendant bon. Vous allez Michel Bennett, ancienne première dame, une première dame, bon bagay. Bien campé, senti bon. Oh, man. C'est Duvalier, non, on a quasi bien campé, non? Les affaires, les affaires, François Duvalier. Oui. François Duvalier. Ok? Garçon, canson. Oui. Ou quand le Bochel, il est un dictateur. Effectivement, ils sont dictateurs. Et je dis à pays d'Haïti, pape changer si pas une dictature en douceur. Ok? Pays d'Haïti, pape changer. Ok? Si pas une dictature. Dictature douceur. Le combo. Moi, je vais bâtir ça, le côté à l'étalé. Comment dictature en douceur, moi je fin comprendre. Alors dictature, ça nous ouvre les poumons là, une dictature progressive. Progressive. OK. OK. Par exemple, et une dictature avec vers le progrès. Nous avons une dictature en Russie soviétique. Oui. Alors et la Russie. En Russie. En Russie. Nous avons une dictature et Venezuela, Venezuela. OK. OK. Nous gagnons par exemple Rwanda. Gagnons sur l'élection à Rwanda. Mais où qu'a dit Cuba par exemple? Où est comment ils évoluent? Corée du Nord. Corée du Nord. Comment ils évoluent? Donc ça veut dire que ou capable d'une dictature. Merci pour progressiste là. Et ça, voilà. Et ça, me débute. Dictature va pas dans le grain dans le bain. C'est garçon pas campé. Donc vous dit bah yo testicule postérieur. Non. Grain dans bouddha, mon cher. Ok, ok. Yes. Yes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, écoutez, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bon, exemple qui est clair. Tout est recevoir ici un magistrat, Josué Alusman, avec sa Port de Paix. Port de Paix, hein? Qui est ton poste de péage, Port de Paix? Et tout le monde, Port de Paix, ouais, ça, comme ça a fait. Monsieur mettait lampadaire dans plusieurs côtés, donc dans Port de Paix. Yes. À partir de l'argent que il collectait dans le poste de péage là. Et poste de péage là, c'est pas Mairie qui collecte l'argent, non? C'est Cour supérieure des comptes avec DGI qui collecte l'argent. Lui-même, il fait des pensions. Et c'est DGI avec Cour supérieure des comptes qui payait pour ça le dégain comme Bogéo. Mais, je dis, c'est même pas la tour avec Bandio. Est-ce que tout le monde va payer le passage? Vous comprenez, moi, frère? Vous comprenez, moi, clair, mon cher? Est-ce que tout le monde va payer le passage avec Bandio? Claire. Avec... Claire. Donc, si c'est l'État qui t'a fait. Si c'est l'État qui t'a fait, est-ce que Madame Bertha vous paye? Est-ce que Madame Bertha vous paye, Madame Monsieur? Donc c'est de ça que je voulais parler. Parce que nous avons un pays qui a l'ordre, okay? Qui a principe, qui a discipline. Et que l'ordre du peuple là, mais ça pour le faire, donc il faut un bras de fer, pour capable permettre de faire ce qu'il fait. Parce que ce n'est pas normal, je dis, à nos pays, au démocratie. N'importe ça moun nan fait dans la ria ou tande l'autre version. N'importe ça moun nan fait, n'importe ça gouvernement vini li fait ou tande gon critique. Jovenel Moïse t'ap travaille pour Haïti. Mais qui ça passé? Ou pas c'est même équipe ça qui parle on machine café lobby. Regardez qui bataille. Regardez qui bataille maintenant face Jovenel Moïse. Contre Jovenel Moïse. Comment il là? Donnez-lui. Ou ba payer à courant. L'état prête l'argent. L'état bon gaz. Et puis il y a un blackout 24/24. Mon cher, la présidente décide de couper contre ça. Qui s'est passé? Qu'on machination, qu'on campagne de dénigrement qui dérape contre Jovenel Moïse jusqu'à ce qu'il assassine. Et même doit.